le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le seul nom qui prononcé fait trembler des esprits. Le seul nom qui est invoqué éloigne les esprits, les maladies. Le seul nom qui est invoqué peut faire marcher un paralytique, ouvrir les yeux des aveugles. C'est le nom de Jésus. Je t'appelle Jésus. Je t'appelle Jésus, pour qui tu es. Je t'appelle Seigneur, nous t'invoquons. Seigneur, nous t'invoquons pour ce point de vue. Nous cherchons ta face. Nous voulons que tu te révèles à nous. Nous voulons te voir. Nous voulons te contacter. Seigneur, c'est toi le roi, prends le contrôle. Seigneur, c'est toi,
Nous t'acclamons, Seigneur Sauveur. Alléluia, sois élevé, sois magnifié, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu bon, Dieu fidèle. Merci Seigneur pour ce culte, merci pour ce troisième culte du week-end, merci pour ta présence pendant les précédents. Conduis-nous dans ces instants au nom de Jésus, amen. Quelqu'un donne un bon amen, salue une voisine, salue un voisin, bénis-le, bénis-la, dans le nom de Jésus. Et souhaite-lui la bienvenue à ce troisième culte du week-end. Nous sommes là depuis hier, alléluia. Et je rends grâce à Dieu pour le culte d'hier. Hein, c'est rare qu'au premier culte, on ait des gens ici, à Kodesh élargi, c'était rempli. Amen. Je crois que le sujet était pour beaucoup. Amen. Donc on va continuer dans la même dynamique le samedi, hein, mais samedi prochain. Priez, brisez les envoûtements sur les enfants, les envoûtements qui empêchent d'enfanter. Et les incantations, les choses négatives qui ont pu être semées dans les enfants à la naissance. C'est-à-dire, même si tu es une personne âgée et que tu constates qu'il y a quelque chose qui s'est passé à un moment donné dans ton histoire, comme une parole, un truc s'est passé qui a détourné ta vie, la prière du samedi prochain te concerne. Amen. Alors, le dimanche prochain, ce ne sera pas nécessaire de venir avec les enfants, mais je vais faire une prière particulière pour les enfants. Amen. Voilà. Parce que les enfants n'ont pas encore repris l'école du dimanche. Donc, on va reprendre l'école du dimanche. Mais dans le jeûne et prière de 21 jours qu'on va avoir, vous savez, il y a un temps que je dessine aux bénédictions et puis aux prières pour les enfants. Alléluia. Bon, l'année prochaine, ça sera un peu spécial. Amen. Parce que d'habitude, on tire les versets. Je ne sais pas. On les tire les versets la nuit du 31. Mais cette fois-ci, on veut devancer l'année. Bon, on va voir comment on va faire. Amen. On veut devancer l'année. Donc, on fait 21 jours de jeûne. Et puis, en début d'année, peut-être je ferai les bénédictions par rapport au verset. Et pendant les 21 jours de jeûne, je prendrai le temps de bénir et de prier pour les enfants. Surtout les enfants qu'on n'a jamais recommandés au Seigneur. Amen. Voilà, on va déclarer des paroles sur leur vie. Donc, samedi prochain, délivrance des envoûtements sur les enfants, sur les entrailles des hommes et des femmes. Dimanche, une parole spéciale, une prière spéciale pour tout ce bon monde. Amen. Alléluia. Et nous sommes aussi aujourd'hui dans la dynamique de préparation de notre grande croisade au centre, la campagne Jésus sauve. Je voudrais vraiment que nous restions aussi dans l'esprit. Prions pour ce sujet. Dieu veut que nous évangélisions. Alléluia. Alléluia. Si tu ne t'intéresses pas aux choses qui intéressent, qui sont des intérêts du Seigneur, c'est parce que vraiment qu'il se bat aussi pour tes propres intérêts. Le dernier conseil qu'a donné Jésus avant de partir, c'est aller faire de toutes les nations des disciples. C'est le dernier conseil. Le dernier conseil d'une personne est la chose qui est peut-être la plus importante. Lorsque tu vas voyager et que tu appelles les gens de ta maison, que tu leur donnes des consignes, la dernière phrase à laquelle tu insistes est certainement la plus importante. Quand tu dis, voilà, madame, tu es dans la maison, fais ceci, fais cela. Mais n'oublie pas, hein, à 10 heures, donne le médicament à l'enfant. Tu as compris, non? À 10 heures. Ça veut dire que je t'ai dit beaucoup de choses. Toutes choses sont importantes. Mais l'élément majeur que je vais vérifier, c'est qu'à 10 heures, tu as donné le médicament à l'enfant. Alors Jésus va partir. La dernière chose sur laquelle il insiste, c'est aller dans le monde entier, faire de toutes les nations des disciples. Amen. Alors si nous voulons obéir à beaucoup de choses et puis manquer celui-là, voyez comment le Seigneur peut être touché. Est-ce qu'on peut dire vraiment que nous l'aimons? C'est ce que nous sommes en train de faire. Prêcher Jésus. Aller de l'avant. Parler du Seigneur autour de nous. De faire dans toutes les nations. Tout chrétien doit se sentir impliqué. Alors c'est une bonne occasion de t'impliquer par ton offrande, de t'impliquer par ta prière pour cette croisade-là, afin que les personnes que nous allons trouver là-bas reçoivent l'évangile et soient sauvées. Et la croisade qu'on va faire à Yamoussoukro, la nuit du 11 au 12, va toucher la nuit du 11 au 12,
pour la veillée en début. On va avoir un moment de prière très spécial pour toutes les personnes élevées en dignité. La Bible dit de prier pour les autorités. Généralement, on les connaît, c'est le gouvernement. Et puis les différentes autorités des institutions. Mais la Bible dit aussi qu'il y a des personnes qu'on appelle des personnes élevées en dignité. Donc, Ayam Sokro, le 11, on va prier pour les autorités. Et on va prier pour toutes les personnes élevées en dignité. Une personne élevée en dignité, c'est une personne qui est influente. C'est une personne dont la vie est écoutée par plusieurs sans forcément avoir un titre officiel. Voilà. Ça peut ne pas nous plaire souvent. On ne peut pas aimer certains artistes. Mais même s'il est bizarre, mais n'empêche que quand il s'habille, il descend son pantalon. Il y a plusieurs jeunes qui descendent le pantalon. Un gars comme ça, il faut prier pour lui. Amen. Voilà. S'il s'habille, se coiffe, ses cheveux tombent tout le côté et que toute la jeunesse, une partie de la jeunesse, se sente attirée à l'imiter, il ne faut pas être là seulement pour critiquer ses œuvres. Il faut prier pour ce jeune-là, pour qu'il soit sauvé, pour qu'il ait la vie. Il faut le bénir afin que Dieu, qui l'a rendu influent, puisse l'amener à avoir une bonne influence et non une influence négative. Amen. Donc, je le dis pourquoi ? Pour que le vendredi 11 de la veillée, quand tu vas te retrouver à Yam Sokro, pour prier pour ton pays, pour prier pour la Côte d'Ivoire, amen, avant d'y aller, tu puisses aussi inviter une personne influente, une personne élevée en dignité et une autorité. Donc, il y aura des cartes disponibles très bientôt où tu pourras appeler une personne. Et si c'est une personne élevée en dignité qui a une certaine autorité, on te donnera le process, comment le signaler pour que cette personne-là soit prise en compte dans l'organisation à l'arrivée. Amen. Quand il dit prise en compte, là, c'est pas le loger et puis... Non, il faut bien préciser les choses. Le pasteur a dit prise en compte. Que j'ai entendu dans prise en compte, j'ai entendu prise en charge. Prise en charge, c'est pas la même chose. On va servir, on va compter sur la chaise, prise en compte, on va compter. Dans les chaises qui seront là-bas. Amen. On va pouvoir le prendre en charge. Que Dieu vous bénisse. Que la gloire de Dieu soit manifestée pour cette campagne. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Et pour nous, donnons de tout notre cœur. Donc tes offrandes sont vraiment attendues. Et on les donne après le message. Amen. On va rendre grâce à Dieu pour les chants. Worshipper. Alléluia. Amen. Alors, il y a une chose que je sais avec le Saint-Esprit, c'est que lorsqu'il te donne d'entendre un message et que le sujet même ne te concerne pas au moment où tu l'entends, c'est que le sujet va te concerner incessamment. Amen. Donc, Dieu dévance un défi auquel tu seras confronté. Et il envoie la parole. Vous voyez, il y a plusieurs prédicateurs, il y a plusieurs sortes de prédicateurs. Mais la Bible parle de personnes qui prêchent par inspiration, qui prêchent par révélation. Je crois que c'est l'un des dons que Dieu m'a donné. C'est-à-dire, je ne m'élève pas pour parler parce que c'est un bon thème. C'est pas parce que, bon, tu as eu un avis personnel. Parce que l'onction prophétique, comme ça, quand tu es un enseignant prophétique, tu ne peux pas te lever et parler de toi-même. Tu dois chercher la face de Dieu pour savoir dans quelle direction l'Esprit veut que tu parles. Donc, je suis convaincu que les sujets tels que je les aborde te concernent ou te concerneront incessamment. Amen. Ça veut dire que chacun d'entre vous est concerné ou sera concerné très bientôt par le choix d'une connexion importante de ta vie. Parce que je suis en train de parler des connexions divines. Dis avec moi, connexion divine. Connexion divine. Alléluia. Soit tu vas être confronté incessamment au choix de certaines personnes. Et le choix, la décision que tu vas prendre va influencer la suite de ton année, en tout cas la suite des années qui viennent. Et tu ne dois pas rater ce carrefour. C'est pourquoi tu dois vraiment prêter attention, comprendre ce que Dieu est en train de dire. Parce que lorsque tu vas être confronté à la situation en life, Dieu va ramener les versets que je t'ai donnés. Il va les ramener à ton esprit et puis tu sauras obéir. Amen. Amen, amen, amen. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors, ce que tu vis ou ce que tu vas vivre bientôt, ce que j'ai appelé donc l'épreuve numéro 7, l'épreuve de Tabera ou l'école des connexions divines, est la septième épreuve de notre série de combien d'épreuves en tout? Il y en a qui disent 12, c'est 10. Les 10 épreuves. Alléluia. Donc nous sommes à la septième. J'espère par la grâce de Dieu pouvoir finir avec cette épreuve-là. Aujourd'hui, l'enseignement dont je parle, ce que je vais aborder, se trouve dans celui-là, le numéro 9. Message pour la vie.
traverser avec succès ces 10 épreuves. Amen. Mais toute la série, c'est 7, 8, 9. Et une bonne partie de ce que je vais dire se trouve aussi dans 10, 11, 12, l'enseignement sur la sagesse. Gloire à Dieu. Donc voilà, n'oubliez pas d'avoir vos dévotionnels si vous ne les avez pas. Et puis, si vous les avez, il faut les lire et les méditer. Alléluia. Alors, les épreuves d'un chrétien, les difficultés qu'il traverse sont des écoles au travers desquelles Dieu le forme par rapport à certaines choses qu'il va faire avec lui par rapport à sa destinée. Parmi les difficultés auxquelles tu peux être confronté, il y a des difficultés qui sont des conflits de personnes. Est-ce qu'on est ensemble? Qui a déjà eu un conflit avec quelqu'un? Si tu as déjà eu un conflit, lève la main. Ok. Donc, les conflits dans mon histoire, dans l'histoire du message que je donne, on les assimile à un feu. Le feu de Tabera, qu'on l'appelle le feu de Tabera. Lorsque ces conflits-là interviennent, interviennent juste avant des grandes décisions de type de relation que tu dois entretenir avec certaines personnes. S'ils surviennent dans ton foyer, s'ils surviennent avec des amis, peu importe l'environnement dans lequel ils surviennent, il ne faut pas simplement te dire « je vais régler ce palabre là et puis c'est fini ou bien je ne le règle pas ». Il faut voir le Dieu que tu invoques, le Dieu que tu pries, qui a permis à ce que cette situation-là arrive à un but. Et il faut que tu en tires le meilleur. Amen. Parce qu'une épreuve, un feu de Tabera peut carrément te détruire ou peut te construire. Du feu, Dieu peut tirer la purification de l'or. Amen. Comme le feu aussi peut servir à cuire la viande à la cramer. Ok? Mais tu ne seras pas cramé. De l'or va sortir de ce que tu es en train de traverser. Qu'il en soit ainsi dans le puissant et précieux nom de Jésus. Amen. Et aujourd'hui, je vais continuer le sous-thème, c'est-à-dire parmi tout ce que j'ai abordé depuis le début concernant l'épreuve numéro 7, je suis arrivé à ce sous-thème-là. Quatre stages. Quelqu'un est avec moi? Quatre stages pour attirer les connexions divines. Quatre stages pour attirer les connexions divines. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Les connexions divines, ce sont les bonnes relations pour un court moment ou pour un long moment que Dieu envoie dans ta vie. Il y a des connexions, tu les rencontres juste 2 minutes. Mais les 2 secondes ou les 2 minutes, les 2 petites paroles échangées peuvent bouleverser ta vie. Tu peux rencontrer quelqu'un qui va te donner une information, qui va changer ta manière de voir. Tu peux être connecté avec une vidéo et quelqu'un dit quelque chose qui va carrément changer ta manière de fonctionner. Que Dieu t'accorde les connexions divines dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. De la même manière qu'il y a des connexions divines, il y a des connexions maléfiques ou des connexions diaboliques. Il y a des rencontres avec des personnes qui peuvent être désastreuses pour ta vie. Il y a des messages que tu écoutes en 2 minutes à la télé que tu n'aurais jamais dû écouter. Il y a des images sur lesquelles tu tombes pendant que tu regardes un écran qui peuvent te placarder une image obscène, sale, qui va rester dans ta pensée et puis polluer toute ta vie. Tu n'aurais pas dû en ce moment-là te retrouver devant la télévision et puis être traumatisé par cela. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alors, il y a certaines attitudes que tu as qui vont éloigner les mauvaises connexions de ta vie. Tu vas croire que c'est de la magie ou bien je ne sais pas quoi, c'est par hasard. Ce n'est pas un hasard. Il y a certaines choses qui sont en toi qui attirent aussi les bonnes connexions et qui éloignent les connexions maléfiques. Que Dieu te donne la grâce d'attirer les connexions divines au nom de Jésus. Les connexions qui vont accélérer la destinée qu'il t'a donnée. Les connexions qui vont te propulser vers le but de ta vie. Les connexions qui amènent les choses que tu as demandées, que Dieu te connecte à elles au nom de Jésus de Nazareth. Qu'il en soit ainsi dans le puissant et précieux nom de Jésus. Amen. Donc lorsque je parle de connexion ainsi, je parle même aussi de ceux qui veulent se marier. Et même dans le foyer, ce que j'explique, ça fonctionne. Amen. Amen. Alléluia. Tu vas voir à la fin du stage là, qu'il y a la connexion même avec ton mari ou avec ta femme. De différentes façons. Il y a un moment donné, ton mari, c'est ton... Mais ta femme, c'est ton bébé. C'est une connexion. C'est-à-dire que tu es connecté à ton mari comme mon bébé, mon chéri. Et puis il y a une connexion avec ton mari qui peut être mon homme. C'est différent. Est-ce qu'on est ensemble? Le feu de Tabera, il intervient pour te donner de repositionner les gens. Pas pour chasser forcément des personnes, mais pour dire que celui que j'appelais avant mon frère est devenu mon ami. Celui que j'appelais mon serviteur est devenu mon frère. Donc, chaque fois que ce conflit intervient,
Il y a des gens qui vont s'éloigner, mais il y a des gens qui sont avec toi qui doivent rester, juste changer de nom. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que tu sais que quand tu sais que votre foyer peut rencontrer des difficultés? Je vais te montrer au stage numéro 4, c'est là où on donne le nom au conjoint. Même quand on est marié. Les noms changent. Alléluia. Devant certains défis, si tu continues trop de trop appeler ton mari bébé, bébé, mon bébé, mon bébé, les problèmes vont vous balayer. Parce que pour faire face à ce qui va arriver dans votre vie, ton mari ne doit pas venir un bébé. Il doit venir un homme. Donc en ce moment-là, tu dois changer. Mon homme. Donc quand tu dis mon homme, le gars se lève. Yes, ma chérie, on dit quoi? Mais quand tu es là, bébé, 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 Satan est en train d'attaquer. Bébé, bébé, un bébé, il fait quoi? Un bébé, il pleure. Un bébé, il attaque, sa femme le protège. Chérie, je fais quoi? Bébé, bébé. Non, il faut changer de nom. Dieu, vas-y, change de nom. Donc ne laisse pas les conflits te détruire. Donne le bon nom. Le stage numéro 4, c'est le stage de donner des noms à la connexion. Alléluia. Quand Dieu te connecte avec certaines personnes ou quand Dieu va réqualifier ta connexion avec certaines personnes, tu dois donner un nom. Est-ce qu'on est ensemble? Si tu ne donnes pas de nom, le diable va donner des noms. Alléluia. J'entends pas ton amen. J'entends pas ton amen. J'entends pas ton amen. Donc, quatre stages pour attirer les connexions divines. Alléluia. Donc, quand on dit attirer, quelquefois la personne est déjà là. Mais pour attirer un nouveau type de connexion, tu dois quelquefois changer le nom. Parce que le nom que tu donnes détermine le type de relation que tu as avec la personne. Est-ce que vous convenez avec moi? Amen. Lorsque ton bébé, ton enfant est bébé, il y a une connexion. Il y a une connexion maman-bébé. Quand l'enfant devient jeune, il y a une connexion pour un papa. Il y a une connexion de père qui est un papa. Mais avec ton garçon ou ta fille, elle devient coach. Il y a des moments, à un moment donné, une maman, pour que sa fille lui parle ouvertement, elle va requalifier leur relation. Et elle va devenir la meilleure amie de sa fille. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Parce qu'à un moment donné, sa fille a besoin d'un type de conseil. Et si elle garde la connexion avec son bébé, tu gardes la connexion avec ta fille comme maman et son bébé, il va se poser un problème. Parce qu'en ce moment, elle a besoin d'une amie. Et si tu n'es pas là comme son amie, ta fille va aller prendre des conseils sur comment on se comporte pour telle ou telle chose. Et tu seras surprise de découvrir des choses étranges dans ta maison. C'est que quand le feu de Tabera est venu, tu as commencé à avoir des tensions entre ta fille et toi dans la maison. Vous ne vous entendez pas, ça s'appelle feu de Tabera. En ce moment précis, si tu comprends mon message, tu comprends que le feu indique qu'il y a une requalification du genre. Amen. Je vais chercher la face de Dieu pour savoir. Car si tu continues de considérer ta fille comme ton bébé, 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 pendant qu'elle commence à avoir de la poitrine, pendant qu'elle commence à se poser des questions sur les garçons, et que tu n'es pas là, Satan va lui envoyer une connexion. Quelqu'un qui va lui expliquer. Donc il y a le moment où maman se transforme. Maman prend un autre chapeau. Amen. Et il faut que tu fasses attention à la présence des feux de Tabera dans ta vie. Tu fasses attention pour redéfinir les connexions. Est-ce que vous me suivez? J'ai l'impression qu'aujourd'hui le troisième culte n'est pas très choc. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Alors donc, les quatre stages permettent vraiment de réussir ces connexions, d'attirer les bonnes connexions ou de savoir comment requalifier les personnes que Dieu vous a envoyées. N'oublie pas que c'est très important. Tout exaucement de Dieu vient par une connexion. Amen. Tout avertissement de Dieu vient par une connexion. Toute orientation de Dieu vient par quelqu'un que tu rencontres à un moment donné. C'est pourquoi ce thème est majeur pour ta vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, aujourd'hui, dimanche dernier, on a fait le stage numéro 1. Dans mon message, qu'est-ce que je fais? Je te présente le titre du stage et je veux te dire aujourd'hui, je te dis l'objectif. L'objectif, c'est quoi? C'est qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses pour réussir le stage-là? Qu'est-ce que tu dois faire? Amen. Dimanche dernier, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que tu devais faire? Tu devais faire quoi? Contempler. Amen. Voilà, au premier culte passé, là, j'ai posé la question, les gens ne répondaient pas bien. Il y a une soeur qui s'est levée, qui a bien répondu. Elle a eu un livre sur les 12 portes. Je lui ai fait un cadeau. Il y en a qui savent ça, qui ont, tu fais les deux cultes. Ils espéraient vite répondre pour que je donne. Mais ça ne marche pas. Amen. C'était une connexion du premier culte. Gloire à Dieu. Amen. C'est pourquoi les gens ont trop vite répondu. Je dis, c'est quoi? Une connexion. Je dis,
Amen, amen. Alléluia. Donc, ce que j'appelle l'objectif du message, c'est ce que Dieu veut que tu développes. Cette semaine-là, ce que tu dois travailler, parce que tu auras besoin de ces outils. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pourquoi Dieu a conduit tes pas à écouter cet enseignement, parce que tu en auras besoin ou parce que avec ce que tu vis actuellement, tu en as besoin. Amen. Donc, dimanche dernier, on a travaillé sur le stage numéro 1, qui est de devenir l'image de Dieu. Alléluia. Mais avant de rappeler cela, on va lire ensemble Genèse. On va lire quelques passages de la parole de Dieu. Genèse, chapitre 2. Alors, on va aller au verset 22, Genèse 2, 22. Alors, vous le savez déjà que Adam a senti le besoin d'avoir un être semblable, donc d'avoir une femme, dans son cas ici. Adam avait le besoin, donc il cherchait la connexion de Dieu, celle qui allait l'accompagner dans l'accomplissement de sa destinée et l'aider à faire l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Alors, lorsque Dieu va lui envoyer une procédure qui commence du verset 18, et qui va jusqu'au verset 24. Au verset 22, on lit ensemble, Genèse 2, 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Amen. Donc retiens bien ceci, que la femme de Adam que Dieu a formée est partie de la côte d'Adam. Et je t'ai expliqué que les connexions, les gens que tu attires, viennent de toi. Dieu est tout puissant. Il n'a pas créé Ève à côté et il a mené vers Adam. Lorsque Adam a fait le constat qu'il n'y a personne avec qui il se sent connectable par rapport au mariage, Dieu l'a plongé dans un profond sommeil et Dieu a pris une des côtes de Adam. Et il a formé Ève. Il a dit donc, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Verset 22, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. On continue. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Amen. Et c'est pourquoi je vous ai fait la remarque que, je commande que, quand il dit cette fois, ça veut dire qu'il y avait déjà d'autres fois. Il était en train de chercher sa femme. Et les autres fois, c'est quand Dieu lui avait demandé de donner des noms, c'est-à-dire des responsabilités, de définir le type de relation qu'il allait entretenir avec les animaux. Donc, Adam, lorsqu'il dit au serpent, tu es malin, ça veut dire, Dieu lui dit, il faut te méfier de celui-là. Ok? Et Adam l'a fait. Sauf qu'à la fin, lui-même, il n'a pas respecté les noms qu'il a donnés aux espèces animales. Mais lorsqu'il voit sa femme, tout ça, ce sont des images. Mais pour que tu comprennes comment les choses spirituelles fonctionnent. Alléluia! Lorsqu'il voit sa femme, il dit, cette fois-là, elle est os de mes os, chair de ma chair. Donc, Adam t'explique comment on reconnaît que Dieu nous envoie une connexion. On reconnaît que Dieu nous envoie une connexion. Et ce que je dis, c'est vrai pour ton travail. C'est vrai pour toutes les personnes qui seront importantes dans ta vie. Ce n'est pas seulement pour ton mari ou pour ta femme. Tu dois reconnaître la personne en basant sur deux gros éléments. Os de mes os, chair de ma chair. Os de mes os, ça veut dire que celui avec qui je veux faire les affaires, quand vous dites vous êtes os, c'est-à-dire dans notre cœur, on a les mêmes valeurs. Vous voyez, les valeurs d'une personne ne se voient pas à l'œil nu. Tu ne peux pas regarder une personne et puis dire qu'elle est honnête. Amen. L'honnêteté fait partie de l'être intérieur. Donc si toi tu es honnête, tu dois travailler avec des gens honnêtes. Donc tu dois dire os de mes os dans la valeur de l'honnêteté. Amen. Amen. Si tu es un escroc, que tu reconnais l'os de quelqu'un, que tu dis os de mes os, c'est escroc, escroc. Et ça va créer, est-ce que créer en puissance? Ok?
Donc l'os des os, ce sont les valeurs intérieures. La chair de la chair, ce sont, je dirais, les valeurs visibles. Les parties, la partie visible, le corps. OK? Donc pour bien te connecter avec une personne, tu dois regarder deux choses. D'abord, ce qui est dans son être intérieur et ensuite, ce qui est à l'extérieur. Est-ce qu'on est ensemble? Donne un bon amen. Donne un bon amen. Tu veux travailler, tu cherches à embaucher un comptable. C'est une connexion. Si tu as raté le comptable, tu peux perdre beaucoup d'argent et perdre du temps. Et mettre à mal ton entreprise. Quand tu vas faire le choix, barre sur les deux critères. Tu dois savoir quelles sont les valeurs intérieures que tu veux pour le comptable. Un. Et quelles sont les compétences visibles. Si par exemple ton comptable, il doit avoir fait une expertise, ça là c'est visible, on peut voir son diplôme. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Si tu prends un comptable honnête, mais qui ne sait pas faire 1 plus 1 égale 2, c'est une mauvaise connexion. Il peut être comptable, pour embaucher un comptable, il ne faut pas seulement être honnête. Il faut des valeurs intérieures, il faut des valeurs extérieures. C'est tout ce qui est extérieur qu'on appelle chair de la chair. Est-ce que vous me suivez? Amen. Pour être connecté avec un mari, il faut qu'il y ait des valeurs intérieures et il faut qu'il y ait des valeurs aussi visibles. Amen. Amen. Si tu veux marier, te marier avec une personne, une connexion mariage, et que tu rencontres, toi tu cherches un mari, un homme qui est sage, qui est doux, qui est bon, qui est honnête, et tu rencontres quelqu'un comme ça, est-ce que tu peux forcément le marier? Non. Pourquoi tu n'as pas le marié? Parce que toi, tu as 44 ans. Et celui que tu vois, de qui tu donnes toutes ces qualités, il a 15 ans. OK? Donc, il est os de tes os. Mais chair de la chair, là, ça ne va pas aller. Parce qu'il y a 35 ans de vous. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu peux dire que c'est une connexion maritale? Non. Ça, c'est une connexion. Tu es mon bon petit. Hein? Petit, je me retrouve en toi. Donc, tu dois définir. Tu ne peux pas marier. Est-ce que vous me suivez? Donc Dieu dit des choses, c'est simple, hein, c'est pas, ne mystifie pas trop ce que le Seigneur explique. C'est quelque chose de très simple. C'est juste qu'il faut faire tout en correspondant les deux éléments. Amen. Dans le cas du mariage, je cherche valeur intérieure. Qu'est-ce que j'attends des valeurs extérieures? Dans le cas d'une relation sociale, professionnelle, quel que soit le type de connexion. Dans le cas du ministère, je veux connecter avec d'autres ministres de Dieu. Quelles sont les valeurs intérieures? Qu'est-ce qu'il a aussi à l'extérieur? Ces deux éléments rentrent en ligne de compte. Mais je commence toujours par l'intérieur. Avant l'extérieur, est-ce qu'on est ensemble? Amen, amen, amen. Amen. Ok, on continue donc. Le texte, donnez-moi le texte qu'on a lu tout à l'heure. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme. Verset 24, la suite, pardon. Non, verset 23, la suite du verset 23. Il dit, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. On l'a prise de l'homme. On l'a prise. Les gens avec qui tu connectes, ça veut dire les personnes que Dieu envoie vers toi, il les prend de toi. Si dans tes os, dans ton être intérieur, tu es quelqu'un de dévasté, comme je te l'expliquais dimanche dernier, que tu dis tu veux te marier, Dieu va sortir ça de toi. Et ce qui ça va attirer, c'est une personne qui est tout autant dévastée que toi. Ou bien une personne qui va te détruire. Alléluia. Alléluia. Dieu ne prend pas, il ne fabrique pas ta connexion à partir de ce qui est apparent. Amen. Même si l'apparence est importante, la connexion est attirée par ce qui se passe en toi. Amen. Un mari qui apparemment est doux, quand tu le vois, il est bon, il peut t'offrir le ciel, la lune. Si à l'intérieur, il est dévasté, il a été battu et qu'il est quelqu'un, qu'il veuille ou pas, il va attirer soit des femmes qu'il va frapper, c'est-à-dire, ou, je ne sais pas, il va attirer des femmes qui vont le maltraiter. Est-ce qu'on est ensemble? C'est-à-dire que quand il va commencer à chercher, il va dire, oh, la fille, elle est belle. Quand on dit la fille est belle, il voit la chair. OK? Mais étant donné que lui-même à l'intérieur, il a un problème, les femmes dans lesquelles il doit choisir, elles ont la plupart, elles toutes, un problème qui va le détruire. C'est-à-dire qu'il va être surpris. Alors, la qualité de gens qui s'approchent de toi révèle ce qui se passe en toi.
Alléluia. Si tu attires constamment des gens étranges, c'est qu'il y a une partie de ton être que tu ne comprends pas, que tu ignores. Parce que le problème, c'est qu'on ne sait même pas les conflits qu'il y a en nous-mêmes. Beaucoup de nos caractères, ce qu'on croit être nous, sont des couvertures pour oublier des drames qu'on a connus dans l'enfance. Donc, à l'intérieur, on est des os frustrés, blessés, traumatisés. Et on présente aux gens un visage calme, un visage tranquille. Ce n'est pas le visage tranquille que tu vas attirer. Ce n'est pas des gens tranquilles. Et on ne va pas comprendre, mais ce couple-là, ils ne sont même pas assortis. Ils ne sont pas assortis apparemment, mais dans leur cœur, ils sont assortis. Tu dis, je ne comprends pas. La femme-là, elle attire toujours des hommes qui sont toujours en train de la tromper. Elle a un drame intérieur. Ce n'est pas qu'elle ne me trompe pas, hein, mais elle a vécu quelque chose. Elle a un drame. Soit elle a peur de la trahison des hommes. Elle, ça l'effraie, ça la traumatise. Et tellement elle est traumatisée, elle fait sortir un parfum de traumatisation. Donc elle attire, c'est-à-dire que malgré tout ce qu'elle apparaît, elle vient, elle est rangée. Mais ce qui sort de son esprit appelle les traumatiseurs. C'est-à-dire les gens bizarres, les méchants. Ils sentent et ils tombent facilement amoureux d'elle. Et les gens qui lui font des avances, même s'ils semblent bien, elle essaye de les juger, voir, parce que mon premier mariage, là, ça n'a pas marché. Mais il faut quelqu'un de bien. Tu te trompes en pensant que tu vas reconnaître l'homme de ta vie de l'apparence. Le monsieur qui est un ange, il est lui aussi traumatisé. C'est lorsque votre premier conflit conjugal va apparaître, tu vas te rendre compte du diable qui est caché en lui. Tu vas te rendre compte que ce monsieur que tu croyais doux peut être d'une violence. Parce que lui-même, il fait semblant, pas qu'il est hypocrite, mais il essaye de cacher un drame. Et vous vous rencontrez, vous pensez que vous avez rencontré la douceur. Donc vous n'attirez pas ce qui est visible, mais tu attires ce qui est en toi. Un enfant qui a un conflit contre son père dans son cœur va attirer, même si l'enfant, apparemment, il est toujours, vous dites, l'enfant là, il ne fume pas, il est honnête. Mais s'il n'aime pas son papa et qu'il a une rébellion contre son père, le type d'amis qui va venir vers lui sont des gens qui vont vouloir l'attirer dans la cigarette, dans la rébellion. Et tu vas dire, mais toi là, pourquoi tu fréquentes de telles personnes? Mais il les fréquente pas à cause de ce que tu vois, parce que ses amitiés sont prises en lui. Pas sur lui, mais en lui. Alléluia. Et pour ça, un enfant qui est en conflit avec ses parents va entraîner des rebelles dans sa vie. Les, ses camarades d'école, vous allez voir qui ils seront. Ils ne seront pas ce qu'ils ressemblent à la maison. Là, il dit, mais l'enfant, c'est pas pour ni. Le petit, il est rangé. Et tu es surpris de voir ses connaissances. Des anciens drogués, des gars qui sont dans la drogue. Tu vois, ta fille, elle ne marche pas avec les gens de son âge. Elle prend des gens. Ça veut dire que dans son être intérieur, c'est-à-dire qu'elle marche avec des grandes soeurs qui ont 5 ans. Et elle est petite au milieu comme ça, mais elle est là. Ça veut dire qu'elle, là, dans son cœur, là, elle s'est sentie tellement minimisée par ses parents que pour se sentir grande, elle a besoin. Donc, son être intérieur, ou bien elle n'a pas eu de grandes soeurs, son être intérieur va attirer des gens. C'est pourquoi je dis les 4 stages pour attirer les bonnes connexions. Donc, si tu veux réussir la bonne connexion, parce que pour pouvoir même faire le choix, là, il faut qu'on te donne, c'est-à-dire un bon panel, quoi. C'est-à-dire tu as quand même, mais si tout autour de toi, tous les gens qui viennent te faire des avances ont quelque chose de négatif, et tu le constates, comme j'ai dit, le problème n'est pas l'extérieur. Il faut suivre les stages. Alléluia. Il faut constater que, ah, attention, j'aspire au mariage, mais je remarque que c'est beaucoup de païens qui viennent me parler. Pourquoi les frères ne sont pas attirés? Et c'est les païens qui sont attirés. Reprends les stages. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Pourquoi dans tes affaires, tu attires toujours des escrocs comme connexion? Refais les 4 stages. Amen. Amen, amen, amen. Pourquoi tu n'as pas d'amis? Tu sens que tu as besoin d'un ami, d'une connexion avec des amis. Tu gères tes problèmes seul. Tu n'as pas d'amis.
Dieu, connexion divine, Dieu va t'envoyer des amis. Il y a des hommes que Dieu envoie qui sont des amis, qui savent développer ce que Dieu a mis en toi, qui savent. Dieu a des amis pour toi. Dieu a un conjoint pour toi, il a des amis pour toi, il a un pasteur pour toi, il a un prophète pour toi. Dieu a ses connexions, il a tes collègues, Dieu les a tous en réserve. Et Satan aussi a sa réserve. Il a de faux pasteurs pour toi, il a de fausses femmes pour toi, il a de faux maris pour toi, il a préparé son catalogue lui aussi. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alors, pour pouvoir les reconnaître, pour pouvoir éloigner les mauvais et puis attirer ce qui te correspond dans ta vraie volonté, c'est ce que tu dois faire. Premièrement, il faut travailler la contemplation, c'est-à-dire l'art de prier en admirant Jésus. C'est ce que tu dois faire. Chaque fois que tu le fais, tu te prépares à attirer ceux qui ressemblent à ton idéal et non ceux qui ressemblent à ta destruction. Ok? Parce que je peux avoir un idéal. J'aurais voulu être sage, mais j'attire des gens insensés. Ce que je dois faire, c'est le stage 1. Un stage 1, c'est quoi? La Bible dit que quand je regarde le Seigneur, je suis transformé en la même image de gloire en gloire. Or, donc, je suis transformé en contemplant. Ça veut dire, je dois changer mon axe d'admiration. Regardez, c'est contempler, c'est très simple. Si quelqu'un regarde un chanteur, si tu regardes un chanteur ou un acteur, que tu admires ce qu'il fait, tu vas commencer à lui ressembler. Tu vas avoir son expression, tu vas avoir son langage. Ça vous est jamais arrivé d'avoir, de répéter les tics et les manières de parler des gens que vous regardez souvent à la télévision ou les chanteurs que vous écoutez? Si le chanteur, quand il chante, il fait « Yeah !» Tu vas être surpris quand tu parles avec les gens. « Yeah !» On dit « Mon frère, d'où ça vient ?»« Oh frère, c'est le nouveau style. » Le nouveau style. Parce que tu étais devant ton écran et tu regardes le chanteur. « Quand il chante, ça me plaît. Quand il chante, ça me plaît. » Tu es transformé en la même image. Ça, c'est pas de gloire en gloire. De déchéance en déchéance. Alléluia. Donc, ton modèle, ton idole, la personne que tu dois vouloir observer dans tous les domaines, ça doit être Christ Jésus. Tu veux un mari, prends Jésus. Jésus s'appelle Jésus là, il est l'époux. Tu veux un mari, tu commences à admirer Jésus. Tu veux être un bon mari, il faut que ton être intérieur soit un cœur de mari. Pour qu'il change, il faut le meilleur modèle d'époux. Ce n'est pas ton voisin. Parce que ton voisin là, si tu le contemples, oui, j'aime ce gars. C'est un bon mari. Mais en même temps que tu le vois, il commande sa femme là. De temps en temps, il la gifle. Est-ce que toi, tu veux être un gifleur? Non. Donc, il ne faut pas le contempler. Pourquoi tu veux être un gifleur? Si tu le contemples, tu vas avoir son caractère. Un homme décisionnaire. Mais en même temps, il prend des décisions, mais c'est un gifleur. Jésus, c'est la bonne dose de tout. L'équilibre parfait. Le parfait du parfait. Alléluia. Le modèle des modèles. L'exemple de l'exemple. Tu le prends et tu l'admires. Tu lis ta Bible avec admiration. Ouais, Jésus-Christ est comme ça. Non, c'est l'homme même qu'il nous faut. Voilà comment il est. Dans tous les domaines, Jésus est là-bas. Alléluia. Alléluia. Amen. Même dans la cuisine, même Jésus est un modèle. Vous savez ça? Je crois que les pains qu'il a multipliés là devaient être trop doux. Parce que la Bible dit tout le monde a mangé, tout le monde était rassasié. Les gens étaient trop contents. Amen. Jusqu'à ils ont conservé les aliments même pour voyager avec. Ils n'ont pas dit on ne veut plus. Quand les disciples ont dit ramasser, je dis à Dieu aux disciples ramasser. Ils ont ramassé avec joie. Parce qu'il dit il ne faut rien ne se perdre. Mais quand quelque chose est bon, il ne faut pas que ça se perde. Si ce n'était pas bon, ça peut se perdre. Donc, Jésus est tout. Il est tout. En lui, il y a tout. Ton Dieu a tout. Ressemble à Christ par la contemplation. Amen. Alléluia. Alléluia. Le stage numéro 2 vise à développer dans ta vie la prière. Amen. Mais ce qu'on appelle prier selon sa volonté, la prière. Donc, dans un moment de prière, dans tes moments de prière habituels, tu peux avoir 2 ou 3 minutes de contemplation et puis une autre minute après de combat. Quand par exemple tu viens, tu dis, mon Père, notre Père qui est au ciel, tu as fait l'élévation. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Alléluia. Que ta volonté soit faite. Tout ça, c'est différentes formes de prière. Amen. Alors, quand tu contemples, tu es transformé. Mais maintenant, pour commencer à aller vers le bon choix de Dieu, il y a une façon de prier.
Amen. Pour commencer à prier pour que Dieu attire, tu veux donc des collaborateurs, tu veux l'homme de ta vie, tu veux la femme de ta vie, tu veux... Tu sens que tu es seul dans un domaine et tu as besoin que Dieu t'envoie la connexion qu'il faut. Tu vas, il faut entrer, après l'avoir contemplé, il faut entrer en prière. Mais une prière suivant la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est ce que le stage numéro 2 que j'ai appelé affiner sa volonté. Affiner, ça veut dire rendre parfaite ton choix. Alléluia. Et tes décisions. Tu améliores ton jugement par la prière selon la volonté de Dieu. Alléluia. Donc, il faut bien noter cela. Qu'est-ce que je veux que Dieu te donne aujourd'hui? Qu'est-ce que le Seigneur veut t'accorder? C'est que tu apprennes à mieux prier dans la prière du choix des personnes. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. Le stage numéro 3, il est le stage de la formation. Tu dois prendre la forme. Alors, le stage numéro 3 et le stage numéro 4 sont relatifs à chair de ma chair, c'est-à-dire à l'apparence. Le stage numéro 1, le stage numéro 2 sont relatifs à ton être intérieur. Est-ce qu'on est ensemble? L'os de mes os, c'est stage 1 et 2. Chair de ma chair, c'est stage 3 et stage 4. Que tu les honores, que tu les réalises au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Alors, le stage numéro 3, c'est se former. Faire des formations, apprendre. Alléluia. Le stage numéro 4, c'est donner des noms. Donner des noms. Donner des noms. Ok. Alléluia. Amen. Au stage numéro 4, où on donne des noms, ça va t'apprendre une chose qui est très importante dans les relations, c'est savoir prendre des décisions. Ça va t'apprendre à prendre des décisions. Être un homme, être une personne qui a une certaine fermeté et qui prend des décisions, qui dit tu t'appelles tant et puis il ne change pas. Alléluia. Ça veut dire que quand tu as dit oui à ta femme, là, c'est pour la vie. Ça veut dire que ce que tu décides, c'est important. Tu ne changes pas d'avis en cours de route. Ta femme est ta femme. Ton mari est ton mari. Tu dois être quelqu'un de fidèle. Le stage numéro 4 va créer en toi la loyauté, la fidélité. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Alors, rentrons un peu dans le détail de ces différents stages. Dans le numéro 2, c'est affiner ta volonté. Qu'il se taise là-bas. Je vous entends. Amen. Le stage numéro 2, c'est affiner sa volonté. Alléluia. Alors, on lit Luc chapitre 6. Je vais lire deux passages. Luc, le chapitre 6, verset 12. Verset 12. Il est dit, on lit ensemble, 1, 2, 3. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Amen. Alléluia. Tu remarques ici, non? Quand Jésus a prié, il a choisi les 12. Est-ce que tu as vu qu'il leur a donné un nom? Il leur a donné un nom, non? Le nom de... Lorsque Ève est sortie de Adam, tu as vu qu'il a donné un nom? Quand il a vu, il dit, voilà celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera... Donc, il y a toujours une affaire d'appeler après. Quand on a fini de choisir, il faut donner un nom. C'est ça le quatrième stage, ok? Alléluia! Alléluia! Voilà, si tu choisis et puis tu ne nommes pas, quelqu'un devra donner un nom pour toi. Et ça, ce n'est pas bon. D'abord, moi, je donne un nom. Alléluia! Gloire à Dieu! Mais avant de donner les noms, Jésus a fait quelque chose. Jésus voulait choisir ses collaborateurs de vie. Ceux qui allaient aider son ministère à aller de l'avant. Toi aussi, tu t'apprêtes à choisir la femme de ta vie. L'homme de ta vie. Les gens avec qui tu vas bâtir ton entreprise. Mais la Bible dit que Jésus-Christ a fait une chose. Jésus s'est levé la nuit. Jésus a passé toute la nuit en prière. Pourquoi? Parce que ce sont des choix importants, des choix de destinée. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia!
Frères, aucune situation apparente ne peut vous donner de faire de bons choix si vous n'avez pas pris le temps de prier. Jésus a prié toute la nuit. Il a prié toute la nuit. Ça faisait un moment qu'il marchait déjà avec les disciples, mais il ne les avait pas encore appelés des apôtres. Il a fallu qu'il prie pour savoir parmi tous ses disciples, quels sont ceux-là que Dieu choisissait comme étant les personnes qui allaient porter son message jusqu'au monde entier. Et ce choix a nécessité la prière. Ma sœur, tu prends trop de décisions sans prier. Mon frère, tu prends trop de décisions sans prier. Tu te fies à ton intelligence, à ton expérience, à ton expertise. Tu notes les critères apparents, mais tu laisses les critères intérieurs. Un homme, si tu veux choisir, par exemple, même un cuisinier, si ton cuisinier a un moral qui est abattu, c'est-à-dire il a le diplôme, diplômé de l'école de cuisine, mais c'est un hystérique, ça tu ne le sais pas. Il va rendre ta maison tendue. Il va arriver avec des esprits de colère. Il va créer des disputes avec les gens qui travaillent dans ta maison. Quand toi-même tu vas rentrer dans ta maison, tu ne seras pas en paix. Pourquoi? Parce que tu as laissé un autre esprit rentrer dans la maison. Tu as laissé des gens compétents, mais avec un autre esprit. Est-ce que vous suivez comment Dieu fonctionne? Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi tu dois prier. Ta vie, ton travail, ta maison sont trop importants pour que tu prennes des décisions à la légère. Vous ne pouvez pas vous marier. Tu ne dois pas te marier à cause de ce que tu as vu, une belle bague. Tu dis, ouh, André, c'est l'homme de ma vie. Il vient. Qu'est-ce que tu fais? Ta voiture est fatiguée? Et puis il te surprend. Il dit, demain je passe te chercher au travail. Et quand il t'amène chez toi, tu dis, mais quelle est la gâture qui a garé devant mon portail? Et puis il sort une clé. Tu dis, ça c'est long. Et il continue. Donc toute la nuit tu penses, il m'a offert une voiture. Que tu l'as eu. Dieu, yes. Un juge te demande comme ça, ton loyer c'est combien? Quand tu dis le loyer, puis un petit sourire. Un jour après, il dit, viens, on va passer chez un ami. Et vous partez chez l'ami. Quand vous partez, il dit, il habite ici. Quand tu arrives, il te dit, tiens la clé, ouvre. Et quand tu ouvres, appartement. Hein, oui, les soeurs vous applaudissent parce que lui là, tu l'as marié en même temps. Ça dit, tu dis, mon ami, tu dis, la date du mariage là, je rapproche en même temps. Frère, mon gars, mon type, marions-nous tout de suite. Quoi? Hier, tu me donnes une voiture, aujourd'hui une maison. Mais qui est folle pour laisser passer une telle opportunité? Ma soeur, quand même il a fini de t'offrir la voiture, quand même il a fini de t'offrir la maison, je t'assure, avant de dire oui, mets une pause. Dis, mon type, merci pour la maison. Merci pour la voiture. Parce que quand il a fini de faire ça, le lendemain, il crée une situation. Et j'attends que tu comprennes. Tu veux une petite boîte qui s'ouvre avec une belle alliance là-dedans. Viens ça. Veux-tu m'épouser? Là, en ce moment-là, tes larmes sont là. Tous tes films de rêves sont en train de se réaliser. Tu es là, oh là là, oh là là. Oh Dieu. Puis tu pleures. Et puis tu t'apprêtes à dire oui. En ce moment-là, faut te souvenir du passé Sanogo aujourd'hui, qui dit, alléluia, je dis, amen, je dis, mais pause. Tu dis, mon ami, je suis ému, mais le film va trop vite. Donne-moi une nuit. Jésus s'est enfermé la nuit. Il a prié, parce que c'est ta vie qui est en jeu. On peut te donner une maison, on peut te donner une voiture, on peut te donner une bague, mais celui qui fait ça, c'est son apparence. C'est qui peut te montrer, peut rendre ta vie un cauchemar. Tu ne sais pas ce à quoi tu seras confronté. Tout ce qui éblouit de l'extérieur, je n'ai pas dit que la personne même a de mauvaises intentions, mais les hommes même ne se connaissent pas. Ils ne savent pas ce qu'il peut devenir. Le monsieur qui t'offre des voitures, quand il est frustré ou en colère, il peut devenir autre chose. La femme qui paraît la plus douce peut se transformer en Satan. Non,
Donc, quelle que soit la manière dont tu es séduit, s'il te plaît, souviens-toi. J'ai pris un doigt, faut te donner un doigt là. Puis tu mets pause. Dis à ton voisin, pause. Pause. La personne vient avec les meilleurs diplômes. Regarde, diplômé de Harvard. Tu dis, voici l'homme qu'il me fallait. Frère, mets pause. Parce qu'il va diriger un secteur important de ton entreprise. Mais pause. Mais il est diplômé. Si je ne peux pas trouver mieux, j'ai dit, mais pause. Tu es un chrétien. Tu ne peux pas t'amuser. Il y a une lumière sur toi. Tu attires des gens. Et hier, dans mon message, j'expliquais ce qu'on appelle. J'appliquais les étoiles. Je parlais des étoiles sur les personnes. La Bible dit que les mages qui sont venus à la naissance de Jésus, quand on dit mages, c'est parce qu'on veut dire un mot, c'est des magiciens. C'est-à-dire, ils faisaient des sens occultes. Ils disent, quand ils sont arrivés à Jérusalem, ils disent, nous avons vu, ou ils disent, où est le roi des Juifs? Nous avons vu son étoile. C'est pas qu'ils n'ont pas vu une étoile. Ils ont vu son étoile. Et j'ai expliqué hier que ça veut dire en fait que chaque homme, dans l'invisible, a une étoile. Et l'étoile a une certaine lumière, une certaine intensité. Et donc, ils étaient dans leur œuvre occulte et ils ont vu l'étoile de Jésus. C'était spirituel. La preuve qu'ils sont arrivés, la plupart des gens n'avaient pas vu l'étoile. Donc, c'était une étoile. Ils disent, vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas l'étoile, là, elle vient d'apparaître. C'était pas physique. Ils disent, nous avons vu son étoile. Et lorsqu'ils ont parlé de cette étoile à Hérode, vous savez, mystiquement, Hérode savait ce que ça signifiait. Ça signifiait que ce gars-là, c'est un puissant qui est en train de venir. Donc, la puissance de ta vie là, est visible par certaines personnes. Avant même que tu ne commences à travailler. Jésus était un bébé, mais son étoile brillait. Toi, tu ne sais pas ce qui brille sur ta tête. Tu ne sais pas qui tu es. Mais malheureusement, tout le monde ne vient pas pour honorer ton étoile. Quand Hérode a appris ça, il leur a menti. Il dit, moi, je vais venir l'adorer. Oh, il avait l'intention de le tuer. Quand ton étoile apparaît, des gens veulent en finir avec toi. Il faut faire attention. Tu ne peux pas te lever comme ça, prendre des choix. C'est-à-dire, on se dit, on regarde ton étoile. On dit, quoi? Et dans ton étoile, il y a les entreprises que tu vas bâtir, il y a les vies que tu vas changer, il y a tout ça. C'est dans ton étoile. Et les gens qui comprennent le sens de l'étoile, lorsqu'ils voient ça, ils disent, je vais l'éliminer. Parce que ta progression, pour plusieurs, ça ressemble à leur perte. Parce qu'eux-mêmes, ils savent qu'ils sont illégitimes dans certains endroits. Et vont. Et quand vous lisez le texte, c'est impressionnant de voir comment un bébé peut effrayer un roi aussi puissant qu'Hérode. Il a appelé, la Bible dit, il a appelé tous les docteurs de la loi et les sacrificateurs pour dire dans quel endroit devait naître Jésus. Il a fait des enquêtes, il a fait de grosses réunions parce qu'on lui a dit qu'on avait une étoile. Ah. Mes amis, les gens ne sont pas simples. Pendant que tu entrais, quand tu naissais et tes parents dansaient, il y a des gens qui ne dansaient pas. Tu étais gênant. Et ils ont eu une mission. Détruire ta vie. De la même manière. Donc, cette étoile-là attire des connexions. Et plus tu brilles, plus il y a des gens très néfastes qui s'approchent de toi. Il y a les bonnes personnes, il y a les gens néfastes. Il y a les Hérodes qui viennent te tuer. Il y a des mages qui vont venir t'honorer. Et qui vont t'amener le trésor. Parce que les offrandes qu'ils ont faites à Jésus, c'est ce qui a permis à Joseph de partir jusqu'en Égypte. Et puis à élever l'enfant jusqu'à... Parce qu'ils n'ont pas donné une petite. C'est-à-dire, même les sorciers, certains sorciers, Dieu va les prendre pour venir reconnaître la grâce qui est dans ta vie et financer tes études. Tu sais? Amen. La Bible dit quand Dieu approuve les voies d'un homme, même ses ennemis les disposent en sa faveur. Donc ne sois pas surpris que Dieu ait pris des magiciens pour venir honorer Jésus. Où tu es, il y a des occultistes même qui vont te donner la place. Malgré qu'ils soient occultistes. Ne croyez pas que Dieu, là, il est roi. Daniel, il a régné au milieu des sorciers, mais au nom de Dieu. Donc, Nebuchadnezzar l'a élevé, mais Nebuchadnezzar n'est pas un adorateur de Dieu. Parce que Dieu est avec toi. Quand Dieu est avec toi, donc dans les connexions, il y a même des gens qui sont mauvais, qui font des pratiques, mais Dieu va les prendre et puis ils vont t'ouvrir les portes. Et les mages, là, c'était ça. Dieu dit, vous, là, mon fils est né là-bas, vous êtes milliardaire, non? Parce qu'ils avaient. Les gens qui. Comment on les compte? Dans les films de naissance du Jésus, on dit, il y a combien de mages? Non. On pense qu'ils n'étaient pas trois. Parce que trois personnes, ça n'émeut pas une ville. La Bible dit que lorsqu'ils sont arrivés, Jérusalem était secouée. Hein? Ils ont vu une caravane. Les gens disent, qui est arrivé dans la ville? C'était des gens impressionnants.
Au point où le roi a appris. Sinon, si c'est un petit, trois gars qui viennent de le marché, il dit, où est le roi? Qui va les prendre au sérieux? Mais c'est dit qu'ils sont arrivés, tu vois, des caravanes, des gens riches. Donc, les trésors qu'ils ont mis devant Jésus, tu comprends? Dieu a fait briller ton étoile pour que tes connexions te voient. Mais de la même manière que la connexion a brillé pour que tes amis te voient, tes ennemis aussi l'ont vu. Et eux aussi, ils vont t'envoyer des Hérodes. Fais gaffe à ta vie. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Même si tu l'ignores, je t'informe de la part de Dieu que tu as un destin spécial et tu dois te prendre au sérieux. Alléluia. On peut paralyser ta vie avec un mauvais mariage. On peut paralyser ta vie avec de mauvais amis. Tu ne peux pas plaisanter avec qui tu donnes accès à ton futur. Il ne faut pas te sous-estimer. Prie avant de travailler avec des gens. Prie avant de choisir. Prie lorsque tu as des choix à faire. Prie. 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 Dis à un voisin, prie. Amen. Je prétends faire ça, mais j'ai vu certains de mes fils spirituels, certains des frères. Dieu finit toujours par rattraper le chemin. Quand tu te répands, Dieu rattrape le temps. Mais tu peux perdre beaucoup d'années et t'en sortir avec beaucoup de tristesse si tu avais simplement appliqué très vite les principes de Dieu. Que Dieu t'aide au nom de Jésus. Amen. Je dis pour quelque chose, soit que tu vis, soit qu'il va t'arriver incessamment. Tu dois appliquer ce message. Alléluia. Alléluia. Tu vas être confronté avec un choix pour ton mariage, un choix de destinée. Fais très attention. Je te dis de prier, de passer la nuit, de veiller, de jeûner. Tu dis, Seigneur, si tu n'es pas dans cette affaire, arrête là. Amen. Amen. Mais le stage numéro 2 ne prie pas au hasard, en fait. Il ne prie pas simplement. Il a une façon de prier particulière qui est basée sur 1 Jean 5, 14. Il a dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Amen. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous avons obtenu ce que nous avons demandé. Ok. Gloire à Dieu. Donc, il y a le selon sa volonté. Dis avec moi la volonté. Donc, Dieu demande de prier selon la volonté. Alléluia. Alors, ce passage peut nous laisser sous-entendre qu'avant de demander, il faut connaître parfaitement la volonté de Dieu et puis demander dans sa volonté. C'est pas ce que ça signifie. La vérité, comme je vous l'ai expliqué le dimanche dernier, c'est que pour que Dieu te montre sa volonté, il faut que toi-même tu exprimes la tienne. Il faut que tu dis ce que tu veux. Amen. Amen. Tu dis ce que tu veux. C'est pourquoi j'ai dit, il faut que tu aies une volonté. Si tu veux te marier, quel est ton choix? C'est quoi ta volonté en ce qui concerne le mariage? C'est quoi tu veux? Si tu veux un travailleur avec toi, que veux-tu? Si tu veux un ami, qu'est-ce que tu veux? Amen. Si tu veux quelqu'un qui est plus qu'un ami, qui sera un frère parce que tu te retrouves seul, tu vois, il faut que tu l'exprimes. Il ne faut pas rester dans le flou. Il faut être clair, il faut être précis, il faut dire à Dieu, voilà ce que je veux. Alléluia. Ça ne veut pas dire qu'il va te donner parfaitement les choses telles que tu l'as demandé, mais c'est important. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il priait pour des malades, leur demandait souvent, que veux-tu que je fasse? Quand bien même c'était évident que la personne voulait la guérison, la personne devait l'exprimer. Et pour illustrer cela, je t'ai dit, la volonté de Dieu, c'est une direction que tu prends. Pour qu'un vélo soit dirigé à gauche ou à droite, il faut déjà qu'il soit en mouvement. Le mouvement, c'est qu'il faut te lever, il faut commencer à pédaler. Et quand tu bouges, on peut dire, bon, fais demi-tour. Ok? Donc, ta volonté peut ne pas être la bonne direction. Et Dieu te dira de faire demi-tour. Mais au moins, il faut prendre la route. Il faut te lever et puis avancer selon ce que tu penses être le bien. Et tu pries pour dire, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est comme ça Jésus a prié à Gethsémané. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. J'entends pas ton amen. J'entends pas ton amen. C'est comme ça Jésus a prié à Gethsémané dans l'évangile de Luc chapitre 18. Non, pardon. Marc chapitre 14 verset 36, il est dit, il disait, Abba Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Est-ce qu'on est ensemble? Quelle était la volonté de Jésus ici? Que la coupe, c'est... Est-ce qu'il n'a pas dit, est-ce qu'il n'a pas exprimé? Est-ce qu'il était venu simplement faire la prière comme certains? On dit, que veux-tu? Rien. Que ta volonté? Ta volonté. Et il dit non. Jésus dit, papa, est-ce que la coupe, je veux que la coupe là s'éloigne de moi. Mais, non pas ma volonté qui est exprimée déjà, mais ta volonté. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Seigneur, je veux marier ce frère. Mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Papa, je veux embaucher ce monsieur, il me plaît bien. Mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? C'est comme ça qu'on prie. Parce qu'on va faire des choix. Seigneur, lui-là, il me plaît bien. Mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Alléluia. Cette prière-là, elle est puissante, ma soeur, mon frère. Ouais. Amen. Amen. Voilà. Alléluia. C'est puissant parce que ce que Jésus est en train de demander, et on avait cité, vous pouvez me ramener le texte, en tout cas dans 1 Corinthiens 7, le Seigneur dit qu'une femme est libre de se marier, une femme que le mari a laissée, ou le mari est décédé, elle est libre de se marier à qui elle veut. Seulement que ce soit dans le Seigneur. Donc ta volonté est importante. Ce que tu veux là, c'est à partir de là que tu vas travailler. Donc pour forger ta volonté, en fait, qu'est-ce que la phrase signifie? Supposons que le choix que je vois là, c'est le bon, ce soit le bon. Ok? Donc, c'est ma destination. Tu dis, qu'est-ce que tu veux? Je veux aller jusqu'à cette baffe. Je suis là en train de faire ma prière. Rinda baba baba baba, shake et tere de bras. Que veux-tu? Je veux aller là-bas. Que veux-tu? Je veux aller là-bas. Mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Alors, supposons que Dieu veut que tu arrives là-bas vraiment. Dieu est d'accord avec toi. Quand il dit non pas ma volonté, là, il va te donner la route qui t'amène là-bas. Tu veux aller à l'hôtel Ivoire. La volonté de Dieu, ce n'est pas toujours la personne ou ce n'est pas la personne. Ça peut être la volonté de Dieu, c'est prier selon la volonté de Dieu, c'est emprunter le chemin de Dieu pour obtenir. Amen. Amen. Je vais aller à l'hôtel Ivoire. Père, je sens que je dois arriver à l'hôtel Ivoire. Mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Ça veut dire non pas ma méthode, mais ta méthode. La volonté de Dieu, dans ce cas-ci, il avait dit la méthode de Dieu. Autrement dit, Dieu dit, il dit, tu veux partir, mais qu'est-ce que tu veux? Non, je vais aller à l'hôtel Ivoire. Tu veux quoi? Ah, je vais passer par les deux plateaux. Non pas ta volonté, et tu vas voir comment l'esprit va te conduire. Si la route là-bas est bloquée, il va te faire le tour. Et le tour qui te fait prendre, te rendre prêt pour la rencontre. Le chemin de Dieu te prépare. Alléluia. Alléluia. Bon, je vous donne le témoignage de mon mariage, de ma rencontre avec ma femme. Amen. Lorsque Dieu me dit, il commence à me dire, mais on était tout jeune, cette jeune, je te la conseille. Dieu me dit, tu peux la marier. En tout cas, je la trouve bien. Je dis, ah bon, je dis oui. Je dis, ok. Alléluia. Amen. Et puis, dans la période où je me posais la question, elle venait d'avoir le bac. C'est-à-dire, en terminant, je voyais clair déjà. Elle venait d'avoir le bac et elle a fait une fête pour célébrer son bac. Et dans la fête pour célébrer le bac, elle avait mis une boîte à verser. Donc, tous les invités, ses amis, devaient venir soulever, tirer un verset et puis le lire et le garder pour eux-mêmes. Donc, moi, j'arrive, je dis, Seigneur, confirme-moi. Est-ce que c'est elle ou c'est quelqu'un d'autre? Rikatari, papa. J'étais dangereux spirituellement, il faut attention. Rikatari, bakata. En tout cas, si c'est prié, là, j'ai prié. Premier, j'ai prié. Rikatara, katara. Et puis, j'arrive, je tombe sur mon verset. Donc, je m'assois. Je crois qu'on était dans un restaurant. Je m'assois. Quand j'ouvre le verset, là, le verset n'est pas bon pour moi. Le verset dit, je vous en conjure. Un passage des cantiques. Je vous en conjure. Ne réveillez pas. Ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Il dit, ah! Alléluia. J'ai dit, ce texte-là, veut dire quoi? Ne réveillez pas. Ça dit, il ne faut pas réveiller l'amour avant le temps. Je dis, Dieu, c'est elle ou c'est pas elle? Si c'est elle, on attaque. Si c'est pas elle, sois clair. Je dis, petit. Parce que je sentais que Dieu me parlait. Mais je n'ai pas voulu
me soumettre à la volonté. Et je suis parti réveiller l'amour avant le temps. Donc, si le mariage c'était cette direction, je suis parti, je lui ai dit d'avance que je l'aime bien, on peut cheminer. Or, ce n'était pas le temps. Je n'ai pas pris, je n'ai pas agi selon la volonté de Dieu. Ce n'est pas que le choix n'est pas la volonté, c'est la route qui n'est pas la volonté. Alléluia. Alors, ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé. J'étais immature. J'ai détruit cette relation. J'étais trop bizarre. Je ne savais pas ce que c'était un mariage. Pour moi, une femme, c'est un collègue de mission. Donc, quand je suis là, puis je pense mariage, je vois évangélisation. Tu comprends? Donc, le feu de Tabère est venu. Quand je suis là, je ferme les yeux. Donc, je la vois avec moi. Tout ce que j'ai décrit, je dis, qu'est-ce que tu veux de ta femme? Je dis, je vois une femme avec qui nous parcourons les villes et les villages pour prêcher la parole de Dieu. Donc, du coup, je ne voulais pas d'enfant. Parce qu'avoir un enfant, c'est nous empêcher d'aller en mission. Le temps des grossesses, tout ça. J'ai dit, mais tout ça, ça meurt. Il nous faut aller. J'étais un enfant. Et Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Donc, j'ai pris ma propre route. Et ça a détruit notre relation. Le feu de Tabère est venu, on a commencé à avoir des conflits. Quand les conflits arrivent, on ne s'entendait pas, on s'appelle. Elle me parle durement. Moi, je ne comprends pas. Ça, ça doit être un démon. Je chasse les démons. J'étais allé. Oh, elle n'était pas possédée. C'était mon caractère qui était le problème. Et puis, au fur et à mesure, mais ça m'a pris 4 ans. J'ai compris ce que Dieu faisait. Est-ce que vous me suivez? Alors, quand tu pries pour dire, je veux un contrat, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Tu vas être surpris de la manière dont Dieu va t'amener à lui. Peut-être que le gars qui est venu déposer le dossier là, ça ne sera pas lui. Quand Dieu va te faire le tour, tu vas rencontrer quelqu'un à un moment donné dans une surprise, une connexion. C'est comme l'architecte avec lequel on a construit Kodesh là. C'était notre voisin de quartier. Nous, on priait pour un architecte. Dieu nous a mis à côté du voisin, mais on ne l'a pas reconnu. Mais quand tu pries pour dire, Seigneur, nous voulons bâtir, envoie l'homme qu'il te faut. Dieu fait qu'on se rencontre dans l'avion. Mais on ne sait même pas qu'on était voisin. Dans le quartier, là, quand chacun sort de sa maison, chacun a envie de teinter. Donc, on ne sait pas qui est qui. Et on se rencontre dans la vie, on sympathise. C'est mon voisin. C'est comme ça que Dieu te donne la connexion. Et on parle. À un moment donné, on s'échange les cartes. Il dit, vous c'est qui? Pasteur Sanogo. Il dit, c'est vous, Pasteur Sanogo. Bon, en ce moment, on ne me connaissait pas. Il n'y a pas les médias, les YouTube, je n'étais pas partout. Voilà. Il dit, ah, c'est vous. Il dit, j'écoute souvent vos messages. Ah bon, vous êtes chrétien? Vous avez un nom musulman? Non, je suis chrétien. Il me donne sa carte. Ah, vous êtes architecte? Ah, ok. Et puis, je viens. Quand j'arrive là, je donne la carte à Serge, à Franck, pardon. Et puis, ils sont partis visiter le cabinet. Ils sont partis visiter le cabinet. Quand ils arrivent, ils disent non. Hé, hey, maman, les livres. C'est l'homme qu'il nous faut. C'est une connexion divine. Mais Dieu a pris son chemin pour nous donner de rencontrer la personne. Mais avant ça, on a mis de l'argent dans un autre architecte qu'il ne fallait pas. Vous comprenez, non? Quelle est la volonté de Dieu? On veut construire l'église. Mais non pas notre volonté, mais ta volonté. Parce que si tu ne prends pas le chemin de Dieu, tu vas tomber sur un architecte. Tu vas finir de mettre l'argent quand tu vas voir qu'il a fait ce que tu ne veux pas. Tu vas dire, hey, il vous a déjà pris 4 millions. Il faut recommencer. C'est une perte de temps de rater vos connexions. Ça vous perd beaucoup de temps. C'est la raison pour laquelle vous devez prier pour être dans le cheminement de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Garde ça dans ton cœur. Alléluia. Je veux me marier avec quelqu'un de ce genre, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Je veux faire ça. Je voudrais tel type de personne, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est comme ça qu'on prie. Amen. Et Dieu va créer le chemin. La connexion. Alléluia. Bref, allez. Stage numéro 3. Donc, stage numéro 2, l'objectif, c'est de te transformer en un homme de prière, une femme de prière qui prie selon la volonté de Dieu. Ça c'est toujours exaucé. Si nous n'avons que ce que nous demandons dans sa volonté, on est tout le temps exaucé. Tu demandes des gens selon la volonté, tu seras toujours exaucé. Tu seras tout le temps exaucé. Ça marche toujours. Amen. Et ça va t'amener les bonnes personnes. Ça va éloigner de toi les mauvaises personnes. Ça va t'amener les bonnes personnes. Avant, juste que tu signes le contrat, tu vas rencontrer une autre personne. Puis tu vas poser la question à Dieu, mais il dit, c'est lui-là que j'ai choisi et non celui que tu voulais embaucher. Voici ce. Voilà ton vrai travailleur avec toi. Tu dis, ah bon, je m'apprête à aller signer le contrat. Et heureusement que tu as bien prié. Tu as bien prié. Tu t'es évité de signer un faux dossier.
Alléluia. Gloire à Dieu. Stage numéro 3. Se former. Dis avec moi, se former. Alors, comme je te l'ai dit rapidement, se former, c'est relatif à l'apparence, à l'image que tu dois, qu'il faut avoir. Ok? Adam dit, chair de ma chair. Donc, celui avec qui tu dois te connecter doit avoir l'apparence qui correspond à ce que tu veux. Est-ce qu'on est ensemble? Mais ça veut dire que toi aussi, pour que la personne te reconnaisse, il faut que toi-même tu aies l'apparence de ce à quoi tu veux te connecter. Quand tu n'as pas l'apparence, ça veut dire que tu n'as pas la forme. Tu n'attires pas les bonnes personnes. L'apparence ne détermine pas qui tu vas choisir. Mais l'apparence attire vers toi déjà le potentiel personne qui peuvent t'intéresser. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia! Alléluia! Gloire à Dieu! Alors, si tu me vois habillé comme je suis habillé, comme je suis là, et puis je marche dans la rue, est-ce que quelqu'un peut s'approcher de moi pour dire faisons un footing ensemble? Pourquoi? Parce que je n'ai pas l'apparence d'un coureur. En ce moment précis, j'ai pris la forme de quelqu'un qui va au travail. Donc quelqu'un peut me demander dans quelle direction vas-tu? Je vais t'amener au travail. Mais si je porte un short, un truc avec des baskets, je suis en train de faire un footing, quelqu'un ne va même pas vouloir me prendre dans sa voiture. Est-ce qu'il va s'arrêter pour dire, monsieur, où vous partez? Parce qu'il voit que... Voilà. Mais quand, par exemple, tu as besoin d'une voiture pour t'amener plus vite et que tu es habillé comme quelqu'un qui va au travail et que tu regardes un peu les voitures, le gars peut dire, ah, ce monsieur-là, il faut que je l'avance. OK? Et ça va attirer la connexion de l'autostoppeur. Alléluia. Et on pourra t'amener. Maintenant, si tu es habillé comme un coureur, les voitures vont systématiquement te dépasser. Pourquoi? Parce que l'apparence dit que tu es en train de courir. Quelqu'un qui te voit, ça peut te connecter avec d'autres coureurs. Il va dire, frère, on court ensemble. L'apparence attire les gens qui sont dans un domaine. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alors quand on dit chair de ma chair, c'est la partie apparente. Amen. Il faut avoir la partie apparente. La partie apparente, c'est ton physique. La partie apparente, c'est même tes diplômes. La partie apparente, c'est même tes formations. La partie apparente. Amen, 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 amen. Donne un bon amen à Jésus. Donne un bon amen à Jésus. Alléluia. Alléluia. Lorsque Dieu voulait créer, Dieu voulait faire venir la pluie, Genèse chapitre 2, la Bible dit, il n'y avait pas de pluie, il n'y avait pas de plantes, parce que Dieu n'avait pas encore un homme pour cultiver. L'homme existait, mais il n'était pas prêt à cultiver. La Bible dit, Dieu a formé l'homme avec la poussière, pas créé. Il lui a donné la forme pour qu'il soit comme un agriculteur, pour être capable de cultiver. Tu dois prendre la forme de ce que tu vises. Si tu veux devenir prédicateur, mais que Dieu t'appelle à être prédicateur, c'est dans ton cœur, mais que le système scolaire même que tu as suivi ne t'a pas donné une forme de prédicateur, mais de cultivateur, c'est-à-dire que tu ne sais pas t'exprimer. Quand tu parles, tout est mélangé. Va à l'école du langage. Apprends à mieux t'exprimer. Tu vas faciliter tes connexions. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia! Alléluia! Si tu es une femme, tu veux te marier, il y a une forme qui correspond au mariage. Il y a une forme qui correspond à une maman qui est fatiguée, qui a 10 enfants à la maison. Oh, tu n'en as pas. Une maman qui a 5 enfants. Il y a une forme, tu sais qu'il y a une forme de ça, non? Voilà. Si tu es là, tu n'es pas coiffé. Dans des vieux pagnes, tu viens au culte. Tu viens dire, quel est ton sujet de prière? Papa, il me marie. Mais regarde, on va lui dire, maman, peut-être que ton mari même c'est ton voisin. Hein? Mais lui, quand il te voit là, il pense que c'est sa maman. Donc, il ne te regarde même pas. Donc, il t'appelle maman. Mais si vous vous demandez, vous allez voir que vous êtes de la même promotion. Peut-être même qu'il est plus âgé que toi. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia, il faut te former par rapport à ce que Dieu vise avec toi. Est-ce qu'on est ensemble? Ça nécessite, la formation, ça vient de l'information. Ça nécessite que tu apprennes, ça nécessite que tu lises, ça nécessite que... Voilà, si je veux attirer
des travailleurs, je dois moi-même avoir la forme d'un travailleur. Si je veux attirer des collaborateurs, je dois moi-même avoir. Donc le stage numéro 3, c'est un stage de formation, réadaptation de ma personne. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Et le stage numéro 4, dis avec moi stage numéro 4. Je t'ai dit qu'il s'est donné des noms. Et je t'ai fait remarquer tout de suite que Adam a donné un nom. Jésus a donné des noms. Il y a même un, quand il est sorti de la prière, il dit, on ne t'appellera plus Simon, on va t'appeler Pierre. Donner des noms, c'est savoir donner une orientation à votre futur. Le nom ne veut pas dire changer le prénom. Il faut que ce que tu vois devant, tu puisses donner des noms. Tu puisses donner des noms. Alléluia. Lorsque tu rencontres ton conjoint, la personne que tu aimes, vous avez des noms. Tu peux l'appeler. Le monsieur va appeler sa femme bébé. Mais la femme va appeler son mari bébé. Bébé. Mais si tu l'appelles bébé, vive bébé. Moi j'aime bébé. Mais le nom, c'est un nom qu'il faut utiliser en situation de douceur. En situation, voilà. Le truc, c'est que quand les dangers vont attaquer votre maison, un bébé. Alléluia. Amen. Donc il y a un moment donné, tu dois appeler ton mari, par exemple, mon homme. Quand il entend ça, mon homme. Est-ce que vous savez, par exemple, si tu veux que ton mari soit un bon papa, tu sais que tu peux appeler papa? Ça reconditionne la forme de la maison. Et ça le responsabilise en même temps, le nom que tu lui donnes. Si par exemple, tu appelles ton mari, il s'appelle Jocelyn, tu l'appelles Jocelyn. Les enfants aussi dans la maison, Jocelyn. Tu conditionnes. Est-ce que tu comprends l'affaire de nom là? Tu vois, tu conditionnes une atmosphère très amicale. Ce qui va se produire, c'est que dans le futur de la maison sera les enfants. Ton mari peut ne pas être un père. Il peut être un ami. Il joue avec ses enfants. On dit père, il est à l'école. On dit les enfants là, c'est pas pour, ils vont à l'école. Pourquoi? Tu l'appelles Jocelyn. Il faut pas l'appeler. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Gloire à Dieu. Alors, quand vous allez commencer à avoir des enfants, et tu es en train de prier pour que les enfants aillent à l'école, tu veux les bonnes connexions, tu veux l'argent pour prévoir, tu te réveilles. Parce que vous allez commencer à avoir, et tu changes son nom. Avant, tu l'appelais bébé. Maintenant, tu commences. Papa. Quand les enfants arrivent, papa, il se sent père. Il se sent leader. Il se sent responsable. Et puis les enfants viennent aussi, ils complètent. Papa, ça veut dire sort l'argent. Ça veut dire paye les cadeaux. Ça veut dire un papa. Amen. Alléluia. C'est pourquoi tes enfants t'appellent. Quand les enfants sortent, ils te regardent. Ils vont t'appeler maman. Ça définit votre connexion. Ça définit votre relation. Si l'enfant naît et puis il appelle sa maman de son prénom, ça change la relation. Quand Jésus vient, il les appelle, il dit, je vous appelle apôtre. Ça veut dire, vous qui allez porter ma destinée. Le nom oriente la relation. Donc, quand vous êtes fiancé, appelez-vous bébé. Quand tu veux que ton mari soit responsable, il faut enlever bébé. Tu changes. Parce que si vous êtes en mode bébé, ça va créer des palabres de bébé. Mais chérie, dis quelque chose. Ce n'est pas le nom chérie qui correspond en ce moment. C'est le nom, mon homme, le chef. Chef, quand il disait, il se réveille. Yes. Qu'y a-t-il dans cette maison? Je gère. J'assume. Alléluia. Si tu appelles ton ami Jocelyn, c'est Jocelyn là, c'est votre prénom quand vous étiez ami dans le quartier. Qu'est-ce que ça fait? C'est, quand tu l'appelais Jocelyn, c'était une amitié. Sa réaction sera amicale. Il va dire, chérie, battons nous deux. C'est-à-dire qu'un camarade là, on groupe le problème. Non. Si tu veux qu'il soit devant, chef, boss, dis à ton voisin, donne un nom. Donne un nom. Il y a des gens que Dieu t'amène, tu vois que c'est ton pasteur. C'est là que tu l'appelles pasteur. Ça veut dire que je vais me laisser paître et il doit savoir qu'il est mon responsable. Tu lui donnes le nom de pasteur. Avant qu'il soit ton pasteur, vous pouvez être des amis de classe et tu l'appelais par son prénom. Le jour où Dieu t'a montré que cet homme avec qui je te connectais, il sera un père spirituel pour toi, tu changes. Tu dis, pasteur, si c'est un père spirituel, tu peux l'appeler mon père, papa. C'est très important. Ça va déterminer la suite des relations. Si tu te trompes de nom, tu vas avoir d'autres problèmes.
Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce surabonde dans votre vie. Que la faveur soit avec toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci pour ces quatre stages. La contemplation pour être à ton image. Merci Seigneur Dieu. Apprends-nous à être ton image par la contemplation. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Alléluia. Amen. Le stage numéro 3, aiguiser ta volonté, ton jugement en priant dans le plan de Dieu, dans le plan de la volonté de Dieu. Numéro 3, qu'est-ce que je veux devenir? Je veux devenir un mari, une femme. Je dois avoir la forme qui correspond à une épouse. Je dois avoir la forme qui correspond à une mère. Je dois avoir la forme qui correspond à quelqu'un qu'on souhaite fiancer. Je dois avoir la forme. Je dois chercher l'intérieur, mais je dois avoir la forme. Merci Seigneur Dieu, parce que tu amènes cette parole à être une réalité pour chacun d'entre nous, dans les types de formation qu'il doit prendre et dans tout ce qu'il doit faire. Merci Seigneur pour tes bienfaits, au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un acclame Jésus.